Bonjour à tous et bienvenue sur ce Let's Play de Harvest Ella. Nous sommes arrivés à Nemea dans le dernier épisode. Et donc. Déjà, on va lire les choses. Il n'y avait donc pas d'esprit maléfique. Je suis tellement soulagé de savoir que l'esprit maléfique n'était autre que. Le maire, je savais qu'il était porté sur la boisson, mais je n'avais pas réalisé qu'il aimait également semer la zizanie. Je suis simplement contente de me sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir sortir la nouvelle année. Et ça, c'est grâce à toi. Merci, Nanato. Une lettre du maire. J'espère que tu vas bien, Nanato. J'ai entendu dire que Connelly t'avait vendu un taux calcul. Sache que c'est une merveilleuse créature, aussi fiable qu'adorable. Prends bien soin de ton auto-calcul et te rendra ton amour que tu lui donnes. J'ai joint des graines à cette lettre pour célébrer l'arrivée de ton nouveau compagnon. J'espère que tu en feras bon usage. Ok. Plein de choses à faire. Déjà, on va tout récolter. Là, je vais en déplacer un. Hop, encore des farines. Hop, réunion. Hop, Ouais, une ou deux. Il faudrait deux graines de plus. Ouais. Je vais aller acheter les graines plus tard. Attends, il me faut.
Je vais faire de la cuisine un peu. Hop. Déjeuner de bête. Petite réparation, j'ai ce qu'il faut. Ça, ouais, c'est pas trop la peine. Qu'est-ce qui me ferait de l'argent bloqué? Oh, c'est bien, c'est bien. Ok. Il n'y a rien à la lettre. Je vais aller acheter quelques graines. Anéméa. Puis attends, je sais pas trop. Est-ce que j'ai des œufs, des graines? Y a quoi livrer à Nénia? Des œufs, des... Ouais, il y a plein de choses. Déjà, je... avant de faire de la cuisine, ouais, je vais essayer de prendre du check. Est-ce que j'ai activé l'autre truc? Oui, c'est vous. Je peux rentrer à la maison. Ok.
coquine. Oh non. Ah mais ouais, je sais ce qu'il faut en fait. Bon, je vais le garder quand même. Ok. On a une quête annexe à faire. À finir. La vérité derrière les bêtises, faut aller dans la salle de Nyard. La quête annexe, elle est là-haut. Enfin, j'ai réussi à sortir de Nemea. Une telle désobéissance devrait suffire à les dissuader pour de bon. Comme ça, ce sera Nana, pas moi. Je me souviens de toi. Me dis pas que tu comptes me ramener là-bas. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Juste pour aujourd'hui, je retournerai à l'orphelinat plus tard, c'est promis. S'il te plaît. Dis-moi, pourquoi tu t'es enfui? Je te le dis, tu ne me laisseras jamais partir. Ça dépendra de ton explication. Allez. Ouais. Bon d'accord, je peux plus t'échapper de toute façon, alors autant te le dire. Tu sais, ces gens qui sont venus me rendre visite, voilà, ils veulent m'adopter. C'est une bonne nouvelle, non? Oui, c'est une bonne nouvelle qu'ils veuillent adopter, mais... C'est pas moi qui devrais être adopté, ces nanas. J'habite à l'orphelinat depuis plus longtemps qu'elle. Je suis habitué à vivre sans parents. Et Nana, elle a pas l'habitude. Elle est encore trop petite pour comprendre ce qui se passe. Je veux que Nana puisse grandir avec une famille. Moi, je peux pas attendre. Du coup, je fais des bêtises. Pour que là je choisisse Nana à ma place. Tout le monde s'inquiète pour toi. Mais je sais pas comment faire autrement que pour que Léola change d'avis. Bon, je sais tout expliquer. Alors maintenant, tu veux bien me laisser partir? Je devrais en parler à Nana, non? Lui parler? Je devrais peut-être aller lui parler. C'est la meilleure chose à faire. Bon, je crois que je vais rentrer finalement. Je veux pas que les gens croient que Nana est une méchante fille à cause de moi. Et je n'ai... J'ai pas non plus envie de donner une mauvaise réputation aux autres enfants de l'orphelinat. Je rentre et présenter mes excuses à tout le monde. Et dire ce que je pense à Nana et à
et vos wallets. Ok. Annie, tu es revenue? Je suis désolé, même si le Resano A, j'aurais pas dû m'enfuir et faire peur à tout le monde comme ça. Ne t'inquiète pas, le principal c'est que tu sois saine et sauve. Mademoiselle le Resanoa? Oui. Est-ce que je peux parler à monsieur et madame Oulas, s'il vous plaît? J'ai quelque chose à leur dire. Et à Nana aussi. D'accord. Les Oulas sont encore à l'intérieur. Tu peux aller leur parler si tu veux. Merci. Monsieur et Madame Olatz, excusez-moi pour tout à l'heure, c'est extrêmement impoli de ma part. Ne t'en fais pas, ma chérie, tu as une enfant en pleine de vie et nous en sommes très heureux. Tout à fait. Nous sommes fait beaucoup de soucis pour toi, cependant. Tu nous as dit que tu avais quelque chose à nous dire. Que se passe-t-il, ma puce? Oui, c'est à propos de l'adoption. Nous t'écoutons. Je vous suis très reconnaissant d'avoir choisi de m'adopter, mais je... J'ai peur de ne pas pouvoir accepter. Annie? Adoptez Nana à ma place, s'il vous plaît. Annie? Ne dis pas de bêtises, Annie. Ils ne peuvent pas faire ça. Je vous en supplie, monsieur Red. Je veux pas que Nana grandisse en pensant que c'est normal de ne pas avoir de parents. Alors je vous en supplie, s'il vous plaît. Oh, Annie. Je comprends ce que tu ressens, Annie, et je te reste pas sûr. L'adoption est une procédure complexe. On ne peut pas remplacer un enfant par un autre. En effet. À ce stade, il serait relativement difficile d'adopter un autre enfant. Oh. Et toi, Nana, que veux-tu faire? Moi? Voudrais-tu partir de l'orphelinat pour venir vivre avec nous, ma chérie? Non. Nana. Si je pars, je veux dire que... On sera plus ensemble avec les grandes soeurs. Snitch, je vais rester avec Annie. Dis pas ça à la soeur, ça serait bien mieux pour moi, toi. Tu veux pas qu'on reste ensemble? Bien sûr que j'aimerais qu'on reste ensemble d'ailleurs. Mais il semblerait qu'adopter Annie ne soit pas la meilleure idée finalement. Je pense que tu as raison. Je comprends. Nous mettons fin à la procédure d'adoption. À la place, nous avons lancé une nouvelle procédure pour vous adopter toutes les deux, Nana et Annie. Oh. Attendez, vous avez vraiment dit que... J'ai dit que j'allais vous adopter toutes les deux, enfin, si ça vous convient, bien sûr. Ce serait génial, vous êtes sûr? Ce serait injuste de séparer deux soeurs aussi proches.
Et puis la maison sera plus vivante avec les petites filles. Monsieur Rat, cependant, si nous vous attendons toutes les deux, nous allons devoir recommencer tout le parcours administratif du début. Nous aurons besoin de plus de temps, ça ne vous dérange pas? Non, pas de souci. Quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas être séparés? Oh, oui. Bah, restez ensemble, Nana. Pour TV, oui. Ça me remplit, tu vois. J'aurais jamais eu la force de dire ce que j'avais sur le cœur si tu m'avais pas encore acheté. Merci. C'est merveilleux, les filles. On va être des filles très sages pour monsieur et madame Wallace, pas vrai, Nana? Oui. Et une quête terminée. Donc maintenant il faut qu'on aille à enquêter sur l'œuf du paradis. Eh bien, je m'attendais à ce qu'un hors de monstre se dresse en travers de notre route. L'équipe de recherche s'est dénée pour débarrasser la route de toute menace. Cela dit, nous allons devoir rester sur le qui-vive à partir d'ici. L'intérieur risque de grouiller de monstres. Comment est-ce possible? C'est donc ça que refaire neuf? Alors, ça signifie que. Comme la météorite qui tournait. Oh, tu as raison, j'ai d'ailleurs une hypothèse, mais je me prononcerai tant que je ne serai pas certaine. Allez, continue. Alors, j'ai eu ma spécialité en plus. Ça fait plus 6 à la de dégâts aux attaques normales ou l'empressement au niveau du. Ouais, je vais plutôt mettre ça. Thank you.
Parfum inhabituel pousse sur la plante et un plante qui a colonisé le mur. Vous devriez peut-être le goûter, qui sait, il a peut-être bon goût. Vous secouez doucement la plante et un fruit tombe. Il au fond, il s'ouvre en tombant par terre, il est prêt à être mangé. Croqué dans le fruit. C'est juste très sucré. Voilà. Vous apercevez un autre fruit en haut du mur, vous pouvez tenter de le faire tomber. Yep. Vous secouez à nouveau la plante. Cette fois, ce n'est pas un fruit, mais un monstre végétal. Il ne va pas apprécier d'être tiré de son sommeil. Ah oui, c'est ça. Un petit coup de revue. Il est 6h, à 8h, faudra que j'y... Faudra partir. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Je me trompe de sens. Déjà, c'est très bien ce que je veux. Voilà. Il est 7h. Bon, mais je crois que... On va devoir repartir. Ouais. Ouais. On va déjà rentrer à la maison. Est-ce que je pourrais planter des trucs? Ouais, mon champ est complètement... Alors, qu'est-ce que j'ai... Opération, oh, ça suffira pour l'instant. Et puis ouais, je vais me faire une petite salade végétarienne de lettres.
Et on va finir la journée, je sais rien d'autre. Et je vais donc finir la journée et à la prochaine pour la suite. Attendez, je vais vous donner quand même la thune que j'ai. Voilà. Et à la prochaine.